Bonsoir à tous et bienvenue aux informations, les titres. Après Ouagadougou, Ber et Gundam, les dates du retrait des derniers camps de la mission onusienne au Mali sont désormais connues. Malgré que la question ait été tranchée par la MINUSMA, certains cas risquent de susciter des tensions. Malgré les mesures prises par les autorités militaires, les enlèvements des personnes persistent dans la région de Gao et les otages recouvrent la liberté très souvent après paiement de rançon. Les détails dans cette édition. Ces derniers jours, on assiste impuissamment à la flambée des prix des produits de première nécessité. Une situation dénoncée par les consommateurs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. La section du Mali de l'Association panafricaine pour la lutte contre les moustiques a lancé ce jeudi ses activités à Bamako. L'association qui regroupe les spécialistes des maladies à transition vectorielle ambitionne de contribuer à la prévention et à la lutte contre le paludisme et toutes les maladies transmises par les moustiques et d'autres arthropodes. Maliki Diallo nous en parle. Le paludisme est un véritable problème de santé au Mali avec un peu plus de 1000 morts en 2021. Pour venir à bout de cette maladie, des professionnels de la santé humaine, vétérinaires et d'autres scientifiques maliens se mettent ensemble pour s'attaquer à la cause de cette infection. Pour ce faire, les spécialistes des maladies à transmission vectorielle réunis au sein de l'Association panafricaine pour la lutte contre les moustiques ont lancé leurs activités ce jeudi avec de nombreux objectifs. Et la première, c'est d'abord de promouvoir la recherche pour le développement, la recherche pour la santé, puisque nous visons un monde exempt de maladies à transmission vectorielle. C'est notre vision et c'est la vision de PAMCA à l'international. Un autre objectif, c'est de contribuer aussi au renforcement des capacités. Parce que si on parle de recherche, c'est des activités pointues. Il faut aussi renforcer les capacités des équipes. Et il ne s'agit pas seulement des équipes de PAMCA. Il s'agit des équipes de toutes les institutions en tout cas avec lesquelles on peut travailler. Le paludisme n'est pas la seule maladie transmise par les moustiques. L'Association panafricaine pour la lutte contre les moustiques intervient dans la prévention et la lutte contre toute autre maladie d'origine d'arthropodes. La bancroftose, autrement appelée éléphantiasis, il y a beaucoup de gens dans nos communautés qui pensent que c'est un envoûtement ou la maladie est causée par autre chose. Mais en réalité, c'est les moustiques qui transmettent aussi cette maladie-là. Bon, en plus de cela, il y a aussi la dengue, les chikungunya, les West Nile virus, la maladie du West Nile et la fièvre de la vallée du Rift. Le recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako félicite la création de l'Association panafricaine pour la lutte contre les moustiques et réaffirme le soutien de son établissement pour l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais rassurer PAMCA Mali et ses partenaires de l'accompagnement du rectorat qui ne fera pas défaut pour l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. La cérémonie de lancement des activités de l'association a été suivie d'un symposium sur le thème « L'intérêt médico-vétérinaire des moustiques et d'autres arthropodes ». Et le tout a été couronné par la remise d'attestations à des aînés de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Après 3 ans d'expérience, le programme Feed the Future de l'USAID a organisé ce jeudi un événement d'apprentissage et de partage d'expérience de Suguiriwa Delta Zone avec les acteurs étatiques et privés. Par cette initiative, Suguiriwa veut contribuer au renforcement de la résilience des communautés agricoles et commerciales. C'est ce que nous dit notre reporter Baté Lolomadi. Financé par le gouvernement américain pour une durée de 5 ans, Suguiriwa a pour objectif de contribuer à une croissance économique axée sur le marché inclusif sensible à la nutrition et induite par l'agriculture. Par cette initiative, Suguiriwa Delta Zone veut partager ses acquis avec les acteurs du marché, mais aussi et surtout avec les partenaires stratégiques de la mise en œuvre. Malgré les difficultés et les défis de toutes sortes rencontrés, l'activité Suguiriwa a fourni des efforts considérables avec des effets positifs directs sur la population cible. Nous avons tous et toutes
un intérêt commun, celui de travailler pour l'amélioration de la résilience des populations vulnérables face aux différents chocs récurrents que connaît le Mali. Cette initiative est mise en œuvre par CARE International en consortium avec deux organisations locales, Amasa Afrique Verte et Amprod Sahel, et vise à réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Intervenant dans 12 cercles des régions de Mopti et Tombouctou, Sougou Yiroua a fait ses preuves et les bénéficiaires se disent satisfaits. On nous a donné des notions d'hygiène. Donc hygiène dans sa globalité, il y a l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène des matériels de travail, il y a l'hygiène du produit même à transformer, de l'achat au transport. Il y a aussi l'hygiène environnementale. On n'avait pas ces maîtrises-là avant, mais aujourd'hui, avec Sougou Yiroua, Dieu merci, on a eu des formations qui nous ont permis de maîtriser tout ça pour faire une production hygiénique. Depuis son lancement à nos jours, nous apprécions particulièrement la dynamique de Sougou Yiroua, consistant à travailler en inclusivité avec l'ensemble des services techniques régionaux et nationaux, œuvrant entre autres sur les questions d'agriculture, de croissance économique, d'accès au marché, de nutrition, de financement et surtout de développement des systèmes de marché. Panel interactif sur le renforcement de la résilience des communautés agricoles et commerciales, des expositions photos ont marqué cette journée d'apprentissage. Par ailleurs, l'Agence des technologies de l'information et de la communication a servi de cadre ce jeudi matin aux travaux de la cérémonie d'ouverture du Forum sur l'innovation et la transformation du secteur financier par la technologie au Mali. Ce forum, organisé par la Chambre de commerce Canada, Mali Association et ses partenaires, vise à rassembler les acteurs du secteur financier pour planifier les futures actions afin de contribuer efficacement à l'inclusion financière et au développement de l'économie nationale et sous-régionale. Le compte-rendu est signé à Ouassanougo, Mantala Ouattara. Au cours de ce forum, les experts venus de plusieurs pays du monde vont se prononcer sur la problématique du secteur financier, notamment des structures qui offrent des services financiers à partir des solutions technologiques en Afrique en général et plus particulièrement au Mali. Donc, il s'agira pour nous aujourd'hui de savoir où se situe cette problématique. Est-ce un problème technologique? Est-ce un problème de réglementation adaptée? Et où est-ce un problème politique? Il s'agira tout simplement à travers ces réflexions de mettre le doigt sur la plaie ou de mettre en exergue les différentes contraintes qui existent aujourd'hui pour la mise en œuvre effective des solutions de paiement numérique et de façon universelle pour que nos traders, nos commerçants ou tout simplement notre secteur économique puissent en bénéficier. Le directeur national de l'économie numérique a invité les experts des domaines financiers à redoubler d'efforts pour donner un coup de pouce au secteur financier de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que la mise en œuvre ou l'amorçage du développement socio-économique passe par le secteur privé. Et c'est pourquoi nous voudrions mettre l'accent sur ce tronçon où les idées sont multiples et diverses, mais malheureusement, manque de moyens d'accompagnement. L'ambassadrice du Mali au Canada a remercié ses partenaires pour leur contribution au bon déroulement de ce forum qui vise à renforcer le développement économique entre le Mali et le Canada. Comme vous le savez, le Canada intervient en majorité dans le domaine minier, mais nous avons d'autres secteurs, notamment le digital, l'innovation, l'enseignement supérieur, les énergies renouvelables, qui sont aussi des secteurs sur lesquels le Mali peut apporter et aussi bénéficier du savoir-faire du Canada. Ce forum organisé par la Chambre de commerce Canada-Mali Association et ses partenaires a vu la participation des étudiants et des acteurs évoluant dans les domaines économiques et financiers. L'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication a reçu ce jeudi 24 août 2023 le bureau de l'Association des éditeurs de presse privée ACEP Tendance Yalkoï dans ses locaux. Elle avait pour objectif de faire le point sur la situation qui prévaut à l'ACEP. Compte rendu, Maïmouna Ouidrago, Gabriel Keïta.
Cette rencontre entre l'Association des éditeurs de presse privée, Tendance à Boubacar Yalkouyé, et l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication se veut un cadre d'échange sur la crise qui sévit au sein de la CEP. Au cours des discussions, plusieurs points ont été évoqués, notamment la convention entre la CEP et l'ESIEC qui semble être menacée par cette crise. Il faut le dire, hein, tout est menacé, c'est une crise gravissime que nous ne devons pas en fait négliger. Je pense que les autorités étatiques doivent prendre à bras le corps ces problèmes-là et essayer de les juguler le plus tôt possible. C'est un problème menaçant, intimidant et puis qui peut affecter la vie aussi de l'École supérieure de journalisme parce que nos étudiants sont appelés à aller faire des stages dans les organes de la CEP. Lorsque ces bureaux-là ne sont pas ensemble, ça peut se retourner contre nous dans notre activités pédagogiques quotidiennes, surtout dans les salles. On ne néglige pas ces problèmes. Et au niveau de la convention aussi, l'application pourrait être problématique quand il faut s'agir avec quelle ACEP en ce moment il faut collaborer dans le cadre de la convention qui a été signée. Est-ce que nous devons signer une convention avec les deux bureaux alors qu'on a déjà signé une convention avec un bureau et que l'autre bureau pourrait ne pas reconnaître cette convention? Donc oui, ça peut vraiment poser problème dans l'application de cette convention-là. Pour sa part, Boubacar Yalkouyé a rassuré le directeur général de l'ESIEC de tout mettre en œuvre pour la bonne exécution de la dite convention qui profite aux deux camps. Comme ils nous ont expliqué le contenu de la convention qui lie à l'ACEP à l'école de journalisme, nous leur avons dit que vraiment le contenu est très intéressant parce qu'on a tout le temps entendu parler de la convention, mais l'écrasante majorité des directeurs de publication ne sait pas avec exactitude le contenu, les différents points saillants de la convention de partenariat. Et lorsqu'il nous a décliné le contenu, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Nous, à notre niveau, on est vraiment preneurs. Parce que nous sommes dans une continuité et puis nous allons vraiment faire de telle sorte que du côté quand même de l'ACEP, tout ce que nous avons comme mission dans le cadre de cette convention-là soit quand même respecté. A rappeler que depuis plusieurs mois, une guerre de leadership sévit au sein de cette organisation des patrons de presse. Faute de consensus, un bicéphalisme s'est installé au sein de l'organisation et chacun se légitime en attendant que la justice tranche la question. La formation des 1200 jeunes retenus dans le cadre de la brigade citoyenne lancée officiellement le dimanche dernier reçoivent des formations pour mener à bien leur activité citoyenne. La cérémonie de lancement de cette formation a eu lieu ce mercredi 23 août 2023 au Palais des Sports de Bamako sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Gabriel Keïta. Pour contribuer au développement du pays, la brigade citoyenne à travers le département en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne a initié cette formation pour renforcer les capacités des jeunes brigadiers sur la sécurité routière, mais aussi les sensibiliser sur le patriotisme. Cette formation, comme tout le monde le sait déjà, de Bamako, Kayes, tout ça jusqu'à Kidal, on sait que vraiment, concernant la jeunesse malienne, il y a beaucoup que la jeunesse peut faire. Et comme le ministre avait déjà dit dans son discours d'ouverture Bamako, et ça, il faut qu'on nettoie au moins Bamako. Tout développement commence avec les routes et aussi la ville bien propre et j'en passe. Mais tout ça, là, ça dépend des jeunes. Il faut que la jeunesse malienne se donne la main de Kayes à Kidal, y compris Bamako. À l'occasion, le ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne a rappelé l'importance de cette formation. Donc aujourd'hui, c'est la formation sur la sécurité routière. C'est important. Vous savez, aujourd'hui, la route fait beaucoup de dégâts. Nous avons beaucoup de victimes. Et à ce titre, eux, en tant qu'acteurs de changement dans leur localité, ils ont besoin d'être formés là-dessus parce qu'ils vont nous servir à faire des sensibilisations sur le terrain. Il y a énormément de formations qui vont venir et ils ont besoin graduellement d'être renforcés, d'être outillés et d'être prêts surtout à servir dans leur communauté. L'Agence nationale de la sécurité routière ne pouvait que saluer cette initiative qui vient en appui à ses efforts. Donc nous sommes très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. L'ANAGER, l'Agence nationale de la sécurité routière, donc notre mission c'est de promouvoir et de rapporter la sécurité routière parce que les accidents de la circulation routière est devenu un problème de santé publique majeur. On est tous infectés ou affectés par ce fléau. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut un effort concerté de tout le monde.
À noter que la brigade citoyenne a été créée pour sensibiliser les jeunes des différentes communes du district de Bamako à s'investir dans le développement social et économique de leur localité à travers des activités citoyennes. À présent, l'actualité régionale. Au Mali, la question de la menstruation chez les jeunes filles a longtemps été considérée comme un sujet tabou au sein de notre société. Afin de surmonter les obstacles liés à ce tabou entourant les premières règles, des initiatives visant à soutenir les jeunes filles durant cette étape de leur vie sont actuellement développées à Kaya. Pour en savoir davantage, Michel Yao, notre correspondant sur le lieu, nous en parle. Afin d'accroître la sensibilisation au sein des communautés et de briser le tabou entourant la menstruation chez les jeunes filles, l'ONG Solidarité Plurielle vient de commémorer la Journée mondiale de l'hygiène et des menstrues dans le village de Diala, situé dans la commune de Liberté de Maya. Cette initiative, réalisée en partenariat avec l'UNICEF, a bénéficié de la participation de plusieurs autorités locales ainsi que des services chargés des questions relatives aux femmes et aux jeunes filles. Au cours de cette cérémonie, les organisateurs ont présenté l'objectif de l'événement en appelant les populations à s'engager en faveur de la protection des jeunes filles. C'est pour expliquer à la population que les menstrues ne sont pas une fatalité, pour comment les filles doivent se protéger. Ce que moi j'ai à dire à la population, que tout le monde doit être engagé en faveur de cette journée-là. Pour au moins protéger nos filles qui vont à l'école ou bien dans les autres communautés, pour qu'elles puissent savoir comment s'entretenir. Pour les responsables du développement social des CAI, il est grand temps de surmonter ce tabou qui afflige la société depuis de nombreuses décennies. Ce n'est pas un tabou. On doit exposer le problème pour que les problématiques qui sont liées à cette situation, on puisse les surmonter. Dans les foyers, même dans les écoles, il y a tellement de jeunes filles qui ont abandonné l'école à cause de des règles douloureuses. Donc s'il y a un processus, une stratégie qui veut informer la population par rapport à la problématique liée à la gestion des menstrues, vraiment c'est bienvenu. Des activités folkloriques, des sketchs et des remises de prix ont agrémenté les festivités de cette édition 2023 de la Journée mondiale de l'hygiène et des menstrues organisée par l'ONG Solidarité Plurielle et ses partenaires à Diala. Le processus de retrait de 11 600 soldats et 1 500 policiers fournis par plusieurs pays doit être achevé d'ici le 31 décembre et comprend la restitution à l'armée malienne des 12 bases établies au cours des 10 dernières années dans l'ensemble du pays. Jusqu'à présent, 3 bases ont été transférées aux forces armées et de sécurité à Ogossagou, Ber et Goundam dans la région de Tombouctou. Les dates de retrait des derniers camps sont désormais connues et sur certains cas risquent de susciter des tensions. Les détails avec Oumar Kouita. Alors que la tension internationale se concentre sur le Niger au Mali, le processus de retrait des casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a commencé. Le retrait de la force de maintien de la paix a été décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 juin à la demande des autorités maliennes. Le processus de retrait de 11 600 soldats et 1 500 policiers fournis par plusieurs pays doit être achevé d'ici le 31 décembre et comprend la restitution à l'armée malienne des 12 bases établies au cours des 10 dernières années dans l'ensemble du pays. Jusqu'à présent, 3 bases ont été fermées à Ogossagou, Bera et Goundam dans la région de Tombouctou. D'après des sources proches de la mission onusienne, les dates de retrait des autres camps, entre le 25 et 28 août, retrait de Menanka, 15 novembre, fermeture du camp et du bureau de Kidal, du 15 au 30 septembre, départ de Tessalita et d'Agelog, et du 4 au 31 décembre, fermeture de Tombouctou, mais une équipe restera sur place. Alors que le retrait des militaires de l'ONU s'est déroulé sans incident dans les bases d'Ogossagou et de Goundam à Bera, on a connu les premiers affrontements avec un bilan assez lourd. De laver même des casques bleus, il leur a fallu un peu plus de 2 jours pour parcourir les 57 km qui séparent Bera de Tombouctou. Ils ont été attaqués à 2 reprises le 13 août. 4 casques bleus ont été blessés. Les transferts des derniers camps risquent de se passer dans des conditions difficiles.
Selon nos confrères du studio Tamani, plus d'une centaine de déplacés ont été accueillis à Kouroua, dans la commune de Nembougou, cercle de Kadiolo, il y a 2 semaines. Ces personnes ont fui les violences dans le village de Sindo, région des Cascades au Burkina Faso, précise la même source. L'information a été donnée cette semaine par le maire de la commune. Il a précisé que ces déplacés, en majorité des femmes et des enfants, sont soutenus par les populations. Les enlèvements se multiplient dans la région de Gao malgré les mesures drastiques prises par les autorités militaires. Les malfaiteurs continuent d'enlever les opérateurs économiques et les voyageurs et de leur faire payer des rançons pour leur libération. Ça a été le cas le mardi pour une dame et son conducteur. Explication, Emma Fifame Nounawo. En effet, une femme et son chauffeur en provenance de Gao, enlevés mardi dernier par des hommes armés non identifiés à Togel Garguna, ont été libérés hier matin. Pour des sources proches de la famille, une rançon aurait été payée. Les mêmes sources précisent que la femme et son chauffeur ont regagné leur famille à Onsongo sans eux saufs. Un enlèvement qui intervient une semaine après un autre, celui du troisième adjoint au maire d'Onsongo, Mahamadou Saliou Sissé, et ses deux compagnons enlevé le 15 août dernier entre Onsongo et Gao dans la zone de Nounia. Ils ont été relâchés le même jour dans la soirée. Ils sont revenus sans eux saufs. Selon des sources locales, ils auraient payé 8 millions de francs CFA à leur ravisseur. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, le deuxième adjoint de la même commune d'Onsongo avait été enlevé avant d'être exécuté par ses ravisseurs. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, les enlèvements sont devenus une activité lucrative pour les différents groupes qui sévissent dans la région de Gao. À Yanfouila, les prix des denrées alimentaires et des légumes connaissent une énorme hausse, rapporte Studio Tamani. Le sac de 100 kg de maïs est actuellement vendu à 20 000 francs CFA, celui du petit mil, 40 000 francs CFA. Le bidon de 20 litres d'huile a atteint 18 250 francs CFA. La situation préoccupe les consommateurs. Ils dénoncent également la hausse du kilogramme de l'oignon cédé à 1 000 francs CFA. C'était l'essentiel des informations à retenir dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonsoir.